aujourd'hui on se retrouve pour un Coliseum contre un Eka Flip, un Feka, un Sadida. La map est plutôt axée corps à corps, on va dire, du moins au niveau du placement initial. On va voir comment il pose ça. Alors le Sadida a des res plutôt faibles, on va dire, disons moyenne environ 30%. L'Eka Flip un peu plus solide. Et le Feka, 150 de tac sur le Feka, d'accord, donc le Feka va rush. Ça va être vraiment embêtant, je pense que je vais le RAL PM directement pour pas qu'il puisse trop m'embêter. Est-ce que je partirai du coup sur un focus Feka? Parce qu'un Feka qui rush, c'est un Feka qui s'expose. Bon, le Sadi, si j'arrive à le choper, il peut être mal, mais il va rester à distance, je pense. Ça s'annonce assez compliqué, là, tout de même. Hein. Bon, dans le doute, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de soins. Bon, on parle de Sadi tout de même, mais on va dire que ça va aller à peu près. Qu'est-ce que je vais faire, moi, le Feka? Donc, il faut que je le RAL. Je pense que je vais, comme sur le combat précédent, tenter directement du retrait PA sur tout le monde. Alors pour ça, je sais que j'avance beaucoup. Mais à mon avis, ça peut être rentable pour la suite. On va mettre un retrait ici. Une pelle. Hop, et je vais venir tout de même m'éloigner. Voilà, donc le Feka, pour qu'il puisse pas trop venir chercher le téléglyphe tout de suite avec un glyphe gravitationnel. Ce qui m'embêterait beaucoup. Donc je vais essayer de le maintenir à distance, on va voir comment ça se passe. Il a que 10% de réserve, le Feka, j'avais pas vu. S'il veut venir chercher le corps à corps avec mon Ugina, qui risque d'être un petit peu surpris. Bon, on va voir comment il gère ça. Alors l'Eka Flip, est-ce qu'il part plutôt sur les nus trophes ou sur mon Ugi? D'accord, donc il place l'héros sur les nus. C'est un peu surprenant, hein, parce que de toute façon, les nus, il va très vite pouvoir se mettre à distance. Bon, pourquoi pas. Moi, est-ce que je pars sur l'Eka? Oui, je vais partir sur l'Eka, je pense. Je vais carrément partir sur l'Eka. Où est-ce que je me mets pour le taper? On va y aller comme ça, hop. Allez, on est parti pour éroder l'Eka Flip. On pourra toujours bifurquer le focus sur le Feka si jamais il s'approche trop. Mais là, voilà, le roquet qui vient dégommer le chaton, je pense que Lenny va pouvoir le terminer derrière. Je vais pouvoir même aller chercher la petite zone, la petite ligne de vue en mettant ici, si je ne me suis pas trompé, voilà, ici avec Lenny, je devrais pouvoir choper la ligne de vue sur l'Eka Flip, tout en tuant le chaton, mais je ne sais pas si je vais vraiment choisir de taper pour autant. Ah, il compte tirer mon anus, ça m'embête. Ça m'embête beaucoup, j'ai pas envie qu'il se fasse tacler. On a combien de tacles? On a 108 de tacles sur l'Eka Flip, d'accord, donc on a deux persos qui ont beaucoup de tacles. C'est vraiment pour exploiter au maximum, je pense, les glyphes du Feka. Bon, c'est pas mal du tout, hein, c'est original comme compo. C'était pas forcément très malin d'avancer comme je l'ai fait avec mon ennemi au début. À mon avis, je vais le regretter. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il va me rester 5 PA. Donc là, voilà. Comme j'avais dit, j'ai la ligne de vue sur les K, mais il faut que je stimule. Ouais, je vais plutôt partir en jouvant sur les nus. Stimulant sur le J. Et est-ce que je vais revenir en arrière? Bon bah du coup je reviens en arrière, c'était pas très mal, hein. J'aurais mieux fait de taper et d'avancer ensuite. Bon, cela dit, si je reste à distance avec Lenny, c'est pas plus mal, hein, parce que j'ai pas envie de me faire tacler énormément. Donc a priori, voilà, Lenny va être embêté là. Je vais me faire ramener au corps à corps de l'Eka. Ça c'est un peu problématique. L'Eka, il lui reste 10 PA. Bon, et à la limite je lâcherai une chance hein, s'il faut pour me donner de la fuite. Le Sadi qui pose son jeu, on a du retrait, c'est une compo vraiment sympa en face, hein. Il y a du retrait, il y a du debuff, il y a de l'érosion, il y a pas mal de dégâts, il y a de la protection, c'est très complet je trouve. Pourquoi pas, c'est possible que je teste cette composition plus tard, ça peut être intéressant. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait? Là, les nus va se prendre un focus assez sale, hein, je pense. Ouais, donc là je me fais complètement tacler. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi? Pas grand-chose malheureusement. Bon déjà je vais libérer le roquet parce que sinon il va se faire dégommer avec l'érosion. Enfin avec les réflexes en zone il va pouvoir me choper. Est-ce que je tente de me faire une fuite ou pas? Alors je pense pas que ce soit forcément très intéressant. On va venir chercher le petit debuff sur le Feka. On va y aller comme ça et une maîtrise d'armes. Voilà, j'ai rien de plus à faire pour l'instant malheureusement. Le sac animé ou qui prend des gros dégâts du glyph agressif. Hein, donc a priori le Feka a beaucoup d'agilité. Dis donc, ça picote, hein. Ça picote. Bon, là, l'Eka risque de me faire extrêmement mal. Est-ce que je change le focus sur le Feka ou pas? J'hésite, hein, vraiment, j'hésite. Bon, pour l'instant, on va rester sur l'Eka Flip, on va voir comment ça se passe ensuite. L'Eka, ouais, qui m'embête beaucoup, l'Eka, là.
Est-ce que je mets le Faker en pesanteur? Ça peut être intéressant de le mettre en pesanteur, les cas. Ah, non, les cas qui se... Enfin, le Faker, je voulais dire. Les cas qui préfèrent fuir, d'accord. Il préfère fuir, auquel cas je vais peut-être le rush. Bah ouais, je vais faire ça, je pense. Hein. On va placer... Bon, on va commencer à éroder le Faker un petit peu, mais je vais vraiment y aller sur les cas flip au maximum. Donc pour ça, on est parti pour... Moi, je vais replacer l'héros comme ça, hop. Et on vient mettre les carcasses. J'aurais pu partir sur un limier au lieu de, mettre, de remettre l'érosion, mais j'ai pas envie d'être contraint de gâcher 8 PA au tour prochain pour lui remettre l'érosion. Donc là, voilà, il y en a un qui finit au tour prochain et un qui finit dans deux tours, et c'est pas mal du tout. Alors le Faker qui va certainement venir chercher du retrait, du tacle. Mon Nutrof a pris beaucoup de dégâts, il a repris l'érosion là, mais on est que à 30%. Il faut que je fasse très attention, ce serait bien que je le remette à distance dès que possible. Hein. Bon là, le Faker va revenir tacler, est-ce qu'il place un glyphe gravitationnel? Il lui reste 4 PA. Ok, il préfère partir là-dessus. Bon, moi dans tous les cas, je peux venir chercher le debuff de l'érosion. On va mettre un stimulant. Là, la manière dont il a placé ses glyphes m'embête beaucoup. C'est plutôt judicieux de sa part, on va dire. Et est-ce que ça vaut la peine que je le taffe concrètement? C'est ce que je vais faire. On va y aller comme ça, hop, et chercher le petit mot d'envol. Et moi, bon, j'aurais pu mettre des deux poux, j'ai pas eu le temps. C'est dommage, c'est pas très malin de ma part. Bon, du moins, ça va permettre à mon Anutrof d'aller se remettre un petit peu à distance, parce que là, c'est pas évident. Hein. Donc, bon, mon ennemi pour l'instant n'a pas pris beaucoup de focus. Je vais même pouvoir aller chercher des invocations sur tous ces invoques là. Ça, ça pourrait être vraiment bien. Ika Flip, 9 PA, bon, ça devrait aller à peu près. Je vais continuer à le taper comme je peux. Le Faker qui n'a plus de protection là. Hein. Plus aucune protection, non. Donc, des dégâts qui peuvent commencer à devenir intéressants dessus. Est-ce que la folle a le place du retrait? D'accord, elle a un peu infecté mon ennemi, c'était plutôt surprenant. Et moi je vais pouvoir venir faire mon petit ménage là. Bon, la surpuissante elle y passe clairement. Hop. Et la folle elle va également y passer. Hein. Là j'ai pas vraiment le choix pour le coup. Ah bon, ça va, j'ai des gros dégâts, ça c'est vraiment appréciable. Et je vais même venir chercher. Est-ce que je vais chercher du debuff sur le Faker? Qu'est-ce qu'il a comme buff? Il a un peu d'héros, il a un petit peu de boost d'agilité. Des buffs ou pas des buffs? Allez, on va des buffs. De toute façon, l'érosion n'a pas l'air très utile sur lui pour le moment. Je vais venir ici, hop. Mais voilà, j'ai pas envie qu'il puisse prendre trop d'agi. On n'est pas trop mal. Bon, du coup, j'ai pas du tout pu taper les K-flips, j'avais pas la ligne de vue dessus. Est-ce qu'il va nous faire cet EK? Est-ce qu'il va chercher à repartir sur l'ENI ou plutôt sur l'OGI? Là, je pense pas qu'ils aillent rechercher les Nutrof. Hein. Il est trop loin, il est trop à distance. 11 PA, 6 PM. Alors là, il se prend. Est-ce qu'il se prend son râle lui-même? Non, ok, mais du coup, il se met un petit peu. D'accord, donc il repart sur l'ennemi. Il repart sur l'ennemi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et il a fait la roue de la fortune sur le Sadi. Alors ça, c'est un petit peu. C'est original. Hein. C'est vraiment original pour le coup. Mais bon, pourquoi pas? Bon, bah, moi, je vais enchaîner. Hein. Pas trop se poser de questions. Comme je l'avais dit, voilà, donc là j'ai plus que un coup d'érosion à lui remettre. Et on est parti pour aller chercher encore des dégâts de manière assez conséquente. Est-ce que je peux tuer l'arbre? Je pense quand même pas là. Hein. Oh, on y est presque. Hein. On y est presque, mais c'est pas encore ça. Je vais venir chercher un tout petit peu de dégâts sur le Sadida. Bon, c'est pas incroyable. Mais en allant chercher le corps à corps, je viens le tacler. Il va être obligé de lâcher de libération, je pense. Mon roquette qui est tombé avec le glyph, ça m'attriste. Faker qui a l'air d'avoir beaucoup de dégâts, hein. C'est un mode intéressant qu'il a là. Avec peu de res air tout de même, ça aurait peut-être valu la peine que je parte en focus Faker, hein, mais bon. On peut pas tout faire. Alors là, a priori, il va y aller sur les nids. Ok. Il me retire de la J, il se boost, il me tape. Il aurait fallu que je mette un petit peu plus de fuite peut-être. Hein. Bon, c'est pas grave. Est-ce que si je me debuff, je perds quelque chose d'intéressant? Non, je peux me debuff directement. Et je vais pouvoir me détacler d'une case, alors ça c'est vraiment bien. Et ah, il est invulnérable à distance, j'avais même pas fait gaffe.
Eh bah, décidément. Ok. On va donc partir sur du retrait. On va partir sur un peu de retrait comme ça. D'accord. J'ai pas bougé. Normalement, quand on clique sur une case plus loin que ce qu'on peut bouger, ça nous dépasse quand même un petit peu. J'ai pas kiffé là. J'ai pas kiffé du tout. Bon, admettons. Admettons. Les cas flip qui a les boosts du bastion. Est-ce que je le debuff ou pas? Si je le debuff, j'enlève de l'érosion. Je sais pas ce qui s'est passé avec Lenny là, vraiment, je comprends pas. Hein. Normalement, quand on est attaqué d'une case et qu'on clique à deux cases, on se déplace d'une case. Hein. Qu'est-ce qui aurait pu changer ça? C'est peut-être le mode emo que j'ai. Ouais, c'est le mode emo, je pense, qui a dû changer quelque chose. Bizarre. Bizarre. Bon. Ok. Alors là, c'est pas mal de soins qui est tombé sur les cas flip. Bon. Jusque-là, ça devrait être gérable. Moi, je peux venir chercher déjà. Hop, boum. La gonflable, Eltris. Est-ce que je vais chercher du debuff? Je vais aller chercher du debuff, ouais. Le debuff ici. Et un petit coup de corps à corps. Qui passe plutôt bien, hein, l'arc corrompu. Bon, le retrait PA n'est pas passé. Mais ça fait tout de même plaisir. Et en faisant ça, je lui ai enlevé les bonus de puissance qu'il avait grâce au bastion. Donc moins de dégâts de la part de l'Eka. Lenny n'est plus érodé, donc il va falloir qu'il y replace l'érosion. Il a que 9 PA, il pourra faire que ça a priori. Oh, une roulette SJ. Alors là, avec deux persos qui tapent R en face, ça va me faire très mal. Il repart sur les nus du coup. Ah, c'est intéressant. Les nus qui est un petit peu exposé, hein. Est-ce que le Feka va pouvoir aller le chercher? C'est possible que je sois en difficulté, moi. Il vient par ici. Alors, est-ce que je vais mettre le Feka en pesanteur? Si je fais ça, je pourrais rien faire d'autre, donc je vais éviter. Le Sadi, je vais peut-être l'envoyer valser un petit peu. Ou alors... Non, je vais pas envoyer valser Sadi. Je vais tout simplement aller comme ça sur les cas. Allez, je remets l'héros parce que du coup je ne l'avais plus. Les cas qui se retrouvent bien embêtés là. Niveau des points de vie, 1200. Bon, mon Anutrof n'est pas bien non plus. Le Feka n'a que 10 PA, donc a priori il pourra pas terminer mon Anu ce tour-ci. Il y a Lenny qui va jouer derrière, qui va pouvoir faire pas mal de choses. Et on pourra commencer à envisager bientôt un mode reconstitution sur mon Anu. Ok, ça c'était plutôt bien joué. Il vient chercher vraiment à neutraliser mon ennemi pour qu'il puisse pas venir aider les. Ouh, ouais, ça. Oh, c'était pas mal du tout ce qu'il a fait là. C'était pas mal du tout, ça m'embête beaucoup. C'est pas pratique ça. Pas pratique, je peux plus faire grand chose malheureusement. Je vais peut-être poser un Doppel. Allez, un Doppel de poser, ça peut toujours être utile. En espérant qu'il aille soigner un petit peu les nus, je peux pas espérer grand chose de plus pour l'instant. On va chercher du retrait ici et se décaler. Alors le double, allez, il faut s'occuper de mon Anu là, il est en mal en point. Un peu de soin, ce serait appréciable. Ok, bon, il termine dans l'objectif, c'est un peu bête, mais en même temps, il bloque la. Enfin, voilà, il casse la ligne sur les nus. Si des fois le Sadie avait voulu l'exploiter, c'est pas mal. Les nus qui va pouvoir. Pourra pas terminer les cas flip malheureusement. Il aurait pu terminer si Lenny avait pu le taper un petit peu, mais là je pouvais rien faire du tout. Le Sadi commence à avoir beaucoup d'arbres, hein, ça m'embête. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire contre ça? Je ne sais pas trop. Il fait un don naturel. Ok, alors ça c'est complètement inutile parce que ça dure qu'un tour et moi je peux le debuff directement. Son doppel. Ok, ça devrait aller jusque-là. Ah, je suis pas bien moi quand même. Hein. Ah, en plus le glyph qui me met des gros dégâts. Alors, hop, debuff EK directement. Je vais venir chercher du retrait là. Hop, sur tout le monde. On fait pas de jaloux. Est-ce que je me mets une boîte de Pandore? C'est des cas qui jouent après. Ouais, je suis pas safe du tout là. Partir là-dessus. Une petite boîte de Pandore. Une flamiche sur les cas, c'est toujours ça le prix, et je vais partir. Partir où? Je vais partir là-haut. Hop.
Mais là, je pense que l'EK va pouvoir me terminer. Il va certainement pouvoir me terminer. 683 points de vie, c'est très léger. J'aurais peut-être même mieux fait d'aller chercher le... d'aller chercher l'émeraude contre son EK flip. Ok, roulette retrait PA, ça devrait aller. Je me suis pas forcément très bien placé là, j'aurais peut-être mieux fait de me mettre là pour qu'il ait pas le... l'occasion de me taper. Là, il a la chance d'EK flip, il va ensuite pouvoir mettre une trêve. Ah, c'est pas... c'est intéressant là. Du coup, il est bloqué. Il est bloqué, et moi je peux repartir sur le FK. Sur le FK que je vais venir tacler. Je vais venir me placer ici. Et... ah ouais, non, je le tape pas suffisamment. Est-ce que j'ai boosté ce sort rang 6? Ça fait un malus de fuite, oui. Hop! On va venir placer le malus de fuite tout de suite. Et se booster un peu. Alors là, j'ai pas érodé, mais si j'ai érodé, ouais, j'aurais peut-être mieux fait d'éroder le FK tout de même. Hein. Mais là, comme il n'y a pas énormément de soins en face et que tout se joue sur le FK, on va dire que c'est correct. Le FK qui, ah, malheureusement, il lui restait tout de même un PA, mais il va pouvoir venir tacler les nids. Il s'est fait la barricade. Et bah, malheureusement, il va pouvoir me mettre complètement au fond. Ouais, c'était bien joué de sa part. C'était vraiment bien joué. Bon, moi je viens chercher le boost sur mon Oji, je vais pas chercher à le debuff, je ne pense pas. Plutôt intérêt à ne pas le debuff, hein. Hop. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Bon, lui, ça sert à pas à grand chose de le taper. Bon, c'est pas évident là. C'est vraiment pas évident. Je vais mettre un mode régène. Allez, on va venir chercher ça, mais c'est vraiment loin d'être incroyable. Hein. Double. Et là, le Sadi va pouvoir venir chercher le kill de l'Enu. L'Enu à qui est resté très très peu de points de vie. En revanche, je suis surpris que le FK n'ait pas fait de trêve. Parce que là, le retour de chance de l'EK flip va mettre au fond et je vais peut-être réussir à le tomber, moi. Bon, le Sadi va très probablement... aller chercher le kill, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a fait un tremblement? Ça lui enlève beaucoup de PA, ça tue le Doppel, c'était pas forcément très malin. Il a un Doppel Sati qui joue derrière, et moi, ah, j'ai toujours le poison paralysant. Et ouais, malheureusement, c'est grâce à ça il peut venir chercher le kill. Alors ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup, mais est-ce que l'EK flip va réussir à s'en sortir? C'est là toute la question. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Et en plus, il a le malus de Rez. Ah non, c'est le... Oui, c'est vrai que c'était le Sadida qui avait pris la roue de la fortune. Un petit peu original, ça, comme choix, hein, mais bon, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Un chaton, ok. Un odorat, bah, mais là, il est sûr que je vais pouvoir aller le chercher. Ou alors, il va peut-être venir me tacler, d'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. Le FK a déjà lâché la barricade, mais il a toujours la trêve. Et là, il peut venir chercher le tacle. Et vraiment, le FK exploite très très bien ses glyphes. Qu'est-ce qui tape le plus? C'est ça. Hein. Je vais venir me mettre là. Bon voilà, je peux pas faire grand-chose de plus malheureusement. Et le FK va pouvoir replacer son jeu un petit peu comme il veut là. Bon, je peux balancer des gros dégâts sur les EK flip, mais ça risque de pas suffire. Il faut vraiment que je compte sur le... sur la perte du contre-coup, mais du coup là je vais être embêté. Hein. Règlement, la kawad, d'accord. Ah, il m'embête, hein. Il joue bien, mais il m'embête. Et là, du coup, moi je suis un peu baisé. Ça joue très cancer en face. Hein. J'aurais dû partir sur un focus FK dès le début, hein. Ça aurait été bien mieux, mais bon. C'est pas grave, j'ai un peu hésité, je me suis posé la question. Bon, bah là, on va venir chercher le fracassant. Qui ne suffira pas malheureusement. Je vais me décaler ici, voilà, comme ça je laisse pas de zone pour le réflexe. L'Enu, je l'ai pas assez bien utilisé. Hein. J'aurais pu mettre une corruption à un moment sur le FK, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses, j'aurais dû moins m'exposer. Là, j'ai pas été très malin.
Ok, le soin qui tombe sur les K-flips. Beaucoup de soins, beaucoup trop de soins même. Et le FK qui continue à jouer de manière très cancérigène. Ce qu'il nous fait. Il lui reste 9 PA. Moi, il peut me mettre vraiment au fond. Ok, 3 PA. Qu'est-ce qu'il fait? Il finit avec 3 PA? Ok. Pourquoi pas? Alors, le doppel qui fait rien. Ok. Et Leka qui n'est plus en retour de chance, mais qui perd 2438 de vitalité à son tour. Je vais essayer d'exploiter ça au maximum. Même si j'arrive à le tomber, je reste avec une classe très solide et un Sadida qui a déjà beaucoup trop posé son jeu. Il y a beaucoup d'arbres qui sont bien plantés là, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ok, il part sur les nids en érosion et il va certainement courir pas mal. Voilà, il court effectivement. Bon, moi je vais venir chercher une panique sur le FK. Hop! Et on va venir taper ce petit EK flip. Convergence ou tétanisation, c'est ça la question. On va faire une convergence, comme ça il restera à peu près à proximité de l'ennemi. On va placer ça ici. Et on est parti comme ça. Avec des dégâts plutôt pas mal. Hop! Et je me mets. Je vais me mettre ici pour que l'ennemi puisse éventuellement chercher une ligne de vue dessus, mais c'est pas foufou, hein. Le FK va facilement pouvoir m'en empêcher. Bon, cela dit, je peux faire un mot d'envol. Ok, bouclier FK, est-ce que ça sera suffisant? Je suis pas sûr. Mais si là il replace son glyphe gravitationnel, moi ça, je vais être complètement fini. Ok, un deuxième, qu'est-ce qu'il nous fait avec ces 3 PA restants? Glyph ou pas glyph? Je crois pas qu'il ait le CD1. Non, il avait pas l'aveuglement qui passe à moins 3, d'accord. Alors ça m'embête beaucoup, ça. On va partir là-dessus. Ouais, je tape rien, d'accord. Bon, on tue le chaton, ça c'est toujours bien. Et on va venir chercher un peu de retrait PM ici, mais c'est pas incroyable, hein. Les caflips va s'en tirer. Il va pas s'en tirer avec beaucoup de points de vie, mais il va s'en tirer. Et ça m'embête beaucoup. Non, ok, il nous remet une armée d'invocation en face. Ok, jusque-là ça devrait aller. Bah non, en fait ça va pas du tout, parce que là son EK va reprendre énormément de points de vie. On va voir ce qu'il fait, mais... Je sens pas trop tout ça. Bon, jusque là ça a l'air d'aller à peu près. Oh, cela dit, les dégâts du Sadida, à force qu'ils se cumulent là, ça devient compliqué. 11 PA sur les K-flip, 1354 points de vie. Le FK qui joue derrière. Ça va pas être facile tout ça. Qui nous fait une roulette, ok, bon ça va, roulette critique, 11 PA, bon est-ce qu'il replace l'héros sur les nids, je me suis pas débuff l'érosion, j'aurais peut-être dû, bon, de toute façon la priorité c'est quand même de tomber les cas, à partir de là, ok, de toute façon il me l'a remis l'héros, est-ce qu'il y a une case là, ah ouais en plus, Bon, j'ai pas trop le choix, je vais faire comme ça. Hop. On va venir chercher les dégâts sur les K-flips. J'aurais peut-être dû partir vraiment full érosion dessus hein, au lieu de chercher des micro-dégâts comme je fais. Ouais, c'est même très très bête ce que j'ai fait là. C'est vrai qu'il avait le bouclier FK. Je joue mal, hein, c'était pas très beau. Bon, il est érodé à 40%, mais j'aurais dû mettre la charogne en premier tout de même. Le FK qui va venir à nouveau tacler, oh là là là. Insupportable. J'ai pourtant des belles esquives PA là, mais il le place bien, hein. Les nids n'arrêtent pas de se prendre du moins 3. Bon, je vais essayer de voir ce que je peux faire en allant un petit peu sur le FK, mais bon, même comme ça va être très compliqué. Le Jinak n'est plus stimulé en plus. Bon, moi je vais me debuff.
Je peux même pas balancer du râle PA, sinon je râle aussi mon UJ. Pas faire grand chose hein, malheureusement là. Bon, bon, on est parti là-dessus. C'est vraiment faible hein, tout ça, on va pas aller très loin. Bon, le sadique, il est vraiment... s'éclate là, hein. Il a toute la map pour lui, il fait ce qu'il veut. C'est compliqué. Est-ce qu'il remet un don naturel? Il remet un don naturel. Et Kaflip qui est bien érodé là, mais c'est pas suffisant malheureusement. Ah, j'ai les boules d'avoir laissé mon ennemi y passer aussi rapidement. C'était pas malin du tout. J'aurais dû l'exposer moins, j'aurais dû corrupt, j'aurais dû faire tout ça. C'est dur de faire autant d'erreurs et de s'en rendre compte seulement après. Bon, c'est pas grave. Kaflip, qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, jusque-là, ça devrait aller à peu près. Ou l'être très PM. Enfin, non, en fait, ça va pas du tout aller, ça va me mettre dans la merde, ça. Bon, il a 10 PM. Comment ça se fait qu'il a autant de PM? C'est la gonflable qui lui en a donné, d'accord. Il booste tout le monde. Il va peut-être placer un peu d'érosion sur le J. Non, d'accord, il y va toujours sur l'ennemi. L'ennemi qui va y passer très, très vite, hein, je pense, là. Malheureusement pour moi. Quelle est la meilleure chose à faire? La meilleure chose à faire, je pense que c'est ça. Déjà de placer un peu d'érosion comme ça, hop. Et ensuite de venir chercher des dégâts comme on peut. Voilà, bon, c'était pas fou. C'est pas fou, mais ça ira à peu près. Bon, les Kaflip, je le tomberai jamais. Hein. Je pense que là, c'est perdu. Je vois pas trop comment je pourrais m'en sortir. Et qui met son aveuglement, qui nous ressort son glyphe là. Qui est très compliqué à tomber, LFK. Hein. Aïe aïe aïe. Je vais m'enlever l'héros, moi. Hop, dans la mesure du possible en tout cas, on va venir chercher un peu de soin, un petit peu de retrait, mais bon, tout ça, c'est pas suffisant. Est-ce que je peux espérer réussir à faire quelque chose là? Si les Kaflip s'approchent suffisamment, il y a peut-être moyen. Eh ben non, en fait, j'ai plus d'ennemis, j'avais pas vu. Bon bah, c'est réglé. C'est réglé. C'était pas mal, hein, c'était pas mal joué de sa part. Sa compo est très intéressante, elle était bien exploitée, je trouve. Le fait d'avoir deux persos qui ont beaucoup de tacles et de jouer beaucoup avec les glyphes, hein, ça m'a mis au fond. C'était vraiment pas mal. Bon, bah là, je pense qu'il va, il va pouvoir y aller. La roulette PA. On va pas faire durer. Allez, c'est parti. Finissons-en. Effectivement, j'ai 0 PA, j'avais pas vu. Eh non, j'ai 1 PA. Je vais même pouvoir du coup me décaler pour ne pas prendre l'émeraude. La petite mise en garde. Son mon Fekka est vraiment, il a un mode très intéressant, je trouve. Hein. A priori, full agilité avec un petit peu de force et du retrait. C'est peut-être à la base des nouveaux items, il y a des nouveaux stuffs qui sont sortis qui sont vraiment attrayants au niveau de ce qu'on peut faire avec ce genre de mode. Faudrait que je jette un oeil là-dessus. Alors, l'arc nécrotique, ok, bon là je pense que le Sadida va pouvoir terminer. Une dernière alarme et c'est plié. Allez hop! Ça dégage. Eh ben, ça fait mal de se prendre ça. Bon, c'est pas grave, c'était vraiment les Nutrophes que j'ai mal géré. Hein. J'ai grosse erreur de placement sur le début du combat. J'ai fait une connerie, en fait, tout simplement, quand j'ai rush au début, pour placer la maladresse de masse, qui en plus n'est pas très bien passée, et ça m'a entraîné vers ma perte. Bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous a tout de même plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos. A plus !